Plus sérieusement, on se met d'accord sur le prix minimum, c'est 60$ minimum. 60$, ça convient tout le monde. Voilà. Ouais, bien sûr. Voilà, allez. Maintenant qu'on a parlé de la drogue, on va parler au sujet sensible. Les territoires, c'est quoi cette merde? Parce que le Bahamas, tout le monde le revendique. Mais si on écoute tout le monde, il appartient à tout le monde. Donc qui veut le faire? Pourquoi des gens ils se mêlent alors que pour le coup, le Bahamas, il y en a deux qui le revendiquent, il est peut-être deux. Déjà, ben, on va faire tout partout. Réfé Vagos, il y a quel territoire qui t'appartient? Selon toi? Moi, Fiordi. Si. Bahamas, Mesbank, aéroport. Ouais. Ça marche. Ouais. Tu t'inquiètes pas. Chacun son tour. Chacun son tour, Hermano. J'ai dit selon lui. C'est pas parce qu'il le dit que ça lui appartient. C'est pour voir sa pensée. Ojibalas, les femmes en dernier, parce que vous êtes impurs. Ojibalas. Moi, les boys, ça va être simple. On voit la Mesbank, la casse de Grove Street. On vend jusque le début de la marina, on s'arrête là-bas, c'est tout. Voilà, pour le moment, nous c'est ça, ni plus ni moins. C'est comme ça. Ça marche. Et vous, les marins? Eh, tu dois être au courant. Playa, War Dog et Mirror Park. Pour ma part, je revendique Vinewood. Et il s'avère que, en ce moment, j'ai envie d'investir dans la pierre. C'est-à-dire que, là, je vous le dis, qu'on ne se fait pas les étonner, mais on va attaquer des territoires, là, hermano. C'est plus possible. C'est trop petit Vinewood pour nous. Audi, Familiz. Pour l'instant, c'est le Bahamas. J'ai abandonné Rockford si ça t'intéresse. Ça me plaît pas, c'est nul. C'est où à peu près la poste, magasin de masques. Medigo, Sangmara. Bah go, Medigo, Sangmara. Vas-y, moi, je suis déjà là, hein. Vous êtes où? On arrive, ah bon, on est faites forêt, nous. Ouais, on arrive, nous on est... Allez, gars, faut aller où, là? Magasin de masque, tous. J'arrive. On arrive, on est coffeurs. Ils sont à l'arrêt, vous voyez le magasin de masque, il y a un skatepark bizarre à côté. Ils sont ouais, ça marche. Ok. Ralentissez, retrouvez tout le monde devant le coiffeur. Vite. Ils arrivent vers moi, là. Là ou quoi? C'est qui, voilà? Ouais, bien. Attends, dis-moi que c'est une blague. Ok. Quoi? Attends, Pourquoi? Gracias. J'ai peur. Merci de ta compréhension. Bon, non, et toi, frappe ta gueule, regarde comment t'es moi. Pense plus à te refaire le visage avant de et parler. Et alors, je suis moche. Et alors, y'a quoi? Faites rien pour le moment. Y'a un problème si je suis moche. Mais c'est pourquoi quoi de la quantité que je dis que je suis moche? J'ai plus visage à faire des trucs. T'as dit quoi, Armano? Pourquoi tu dis faites rien? Encore heureux que tu fasses rien de toi. Comment ça, encore heureux? Attrapez les marins à côté de vous, pour favor. Attrapez les marins. Pas lui avec moi, attrapez les autres. Vas-y, venez tous. Magasin de masques, ils sont. Je vais prendre tes hommes, on va aller faire travailler à World Dog. Attends, il parle. Attends, Hermano, c'est le rêve. Les autres, on arrive dans peu de temps. Oui. Tu disais? Je vais prendre tes hommes, je vais aller faire travailler un peu à World Dog. Tu vas les prendre du tout. Vas-y, descends. Pourquoi descends? On a tous tes hommes déjà. Descends, il t'a demandé, descends. Descends. Vas-y. Pourquoi tu... Attends, je te demande... C'est quoi ça? Je te demande de descendre. Tu l'as fait? Non, c'est le téléphone, j'ai raccroché mon téléphone. Écoute, je te demande de descendre, d'accord? Tu veux pas descendre? Je serai normal, tu dis y'a quoi? Pourquoi tu fais le mec y'a quoi alors? Vas-y, fais ce que t'as fait. Mais non, mais c'est pas qui fait ça. Là, je te dis, y'a 5 gars à toi qui sont chez nous. Chut, ferme-la, écoute-le. La radio, elle me casse les oreilles. Ouais, c'est vraiment radio aussi. Juste, le truc, c'est quoi? C'est que... Je te demande de descendre. Tu descends pas? Laisse-le, c'est bon, tranquille. Ah, bien sûr, tu descends, y'a quoi? Eh, fallait descendre direct, sinon tu fermes ta gueule, c'est tout. Bah, si, j'avais pas envie de descendre. Eh, mais maintenant, si t'es forcé à descendre, tu la fermes. Elle a demeuré, y'en a, il veut pas lever, je fais quoi? Okay. Bon. Vous êtes où? Pourquoi ils rigolent? Parce qu'on a. Il a entendu la radio. Là, ils vont faire quoi avec les otages, là, si tu me relâches pas? Je pense que je veux plus de valeur que les autres. Ah, mais je pense que vu qu'on a la 7.
7 quand même, c'est beaucoup. Eh, hey, moi je vais dire un truc, bizarrement, ils sont prêts à tout pour faire pour moi. Ne tirez pas, ne tirez pas. Ok. Et dites qu'on a des otages. Ils sont prêts à tout faire pour moi. Ils savent qu'on a des otages avec le réfé. Salvador, ça rentre, ça sort. Tu vois, c'est comme on va dire le mercato, tu vois. Non, c'est pas ce côté-là, Seigneur, c'est plus loin, plus loin. C'est où? Avec le réfé là. T'as fait un accident. D'accord. De quoi? Ils sont en train de faire quoi? Juste par radio. Je reviens. Non, 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 tu es personne. Et oh, par contre, tes hommes. Bon, c'est ça. On fait quoi? On se relâche, dis-moi. D'habitude, il fait pas ça, mais là, tu me forces. Donc, soit tu laisses un kill à Mano, soit tu leur fais du sale et tu fais du sale aussi en même temps. Et relâchez tout. Il fait du sale à tous les marins. Relâchez les marins. Non, mais ils en ont deux. Relâchez les marins. Et l'Armano, j'ai le réfé devant moi avec un calibre. Vous voulez quoi là? J'ai dit relâchez-les. Voilà, dis-leur, fermez vos gueules. On s'en bat les couilles. Eh, les otages que vous avez ne vaut pas moi. Dis-lui, fermez vos gueules. Deux secondes, réveille. Non, dis-le maintenant, fermez vos gueules. Non, c'est pas comme ça que je leur parle. Mais s'il a pas envie. Fermez vos gueules. Fermez vos gueules un peu, radio. Voilà, réveille. Oh, j'ai des radios comme ça, c'est comme si moi je donnais l'ordre. Tant mieux. Bon, bref, comme il t'a dit, sois juste patient. Tout à l'heure, on se croise à War Dogs et on verra ce qui va se passer. Tout à fait, mais c'était une boutade, moi, là-bas. Ils ont fait quoi, Hermano, tu as dit? Ils ont fait les pneus de la primo. Eh, Hermano, qui avait les pneus? Aïe, relâchez les avec leur jefe, on discute. Discute tranquillo. Ils ont fait les pneus parce qu'il est les braqués entre terre, Manu, il est parti. Par contre, on les a relâchés, d'accord. Bon. Hé, l'Armano, c'est bon, arrêtez tout. Relâchez et allez, faites vos rênes. Allez, faites vos rênes, attendez, faites vos rênes. Bref. Va voir Dox, fais ce que t'as à faire et on va passer tout à l'heure. Entendez? C'était pas vrai, c'était une boutade, va pas aller. Attends, je vais te dire un truc. Moi, le Bahamas, c'est une zone que je peux pas revendiquer parce qu'elle est pas encore gagnée. Moi, quand j'aurai, on va dire, maîtrisé la zone, tu vois, là, je la revendique. Je revendique pas Bordeaux, hein. Mais t'as pas compris. Moi je suis en train de dire que le Bahamas, tout à l'heure il est pas cité parce que je suis en train de discuter avec le ref ACK, donc tranquille. C'est quoi cette pause toi là? Bon bref, il dit que juste que le Bahamas il t'intéresse ou pas toi? Non, moi j'en ai rien à foutre. En réalité, moi je m'intéresse un peu parce qu'on m'avait dit comment, il y avait du positif et parce que t'es même pas que les vagos à chaque fois qu'ils les croisent, ils esquivent. Donc j'ai un peu envie de les forcer, on va dire, à sortir de... comme les taupes, toi. J'ai une question, Seigneur Refé, pour favor. Seigneur Refé, si. Seigneur. Est-ce que ça t'intéresse, toi, le Bahamas? Toi, ça t'intéresse? Ah bah, la vie de ma mère, ça m'intéresse aussi. Ok, tu sais ce qui m'intéresse? Vainwood. Ah, vas-y, on les refait. La vie de ma mère, viens. On t'attend. Viens, continue. Je suis avec le rêve, je suis là, je veux parler avec le rêve. Mais pourquoi tu le fais monter? C'est un animal qui s'assoit dans la voiture, qui attend son maître. J'aime bien les animaux, tu vois. Oui, mais lui c'est un animal, il est plus gros, c'est pas un animal. Il en veut beaucoup, c'est ça? Ouais. Du coup, voilà, toi tu veux le Bahamas pour faire sortir les vagos, c'est ça? Je veux juste me défouler un peu sur les vagos, c'est tout. Et bon, moi je veux War Dog pour me défouler un peu sur les marins. Ok, bah après, écoute, on se défoulera. Ah, attends, deux secondes, il y en a peut-être deux secondes. On doit y aller. Dans 2 minutes, d'accord? Vas-y. Il manque du monde là. Donc, le truc, c'est quoi? C'est que, bah écoute, si tu as envie de te défouler sur le barrage, bah il y a War Dog si tu veux. Après, quand ton tour viendra, on dira Vainwood, bien sûr. Mais moi, Vainwood, je sais que je vais le perdre un jour. Tous les territoires se perdent tôt ou tard. La playa, on l'avait pas, on l'a conquis. Qui nous dit pas que dans quelques peut-être semaines, mois, voire années, quelqu'un va pas nous faire se dégager de là? On sait très bien les skis, tu vois. Tout à fait, tout à fait. Tu m'as dit que c'était une zone qu'on allait garder à vie. C'est juste qu'on se bat tant qu'on peut la défendre. Il faut un conducteur. Tout à fait, c'est comme nous. Moi, une question à te poser. À quel moment tu acceptes... Ah, attends. Ça serait peut-être plus important de ce que tu me dis là. Moi aussi. Ah, moi aussi. De quoi? C'est parce quoi? Tout s'accroche, c'est parti. Tout le monde. Il enfin, y a une transaction. Laisse-le partir au pire. Non, un petit truc. Non, il faut les surveiller. On n'a pas le temps. Il faut les surveiller. C'est à Sandy Shore. Bon, allez-y. Allez-y. Le magasin de vêtements là, Rousseau. Vas-y, go par chômage. Mais j'ai pas compris.
Y'a quoi là-bas? Vas-y, vas-y, je reste avec le réveil. Vas-y, bague les autres. Soif d'argent, et regarde, la police est sur place. À vos risques et périls, que vous soyez un gang, une organisation criminelle, ou même un groupe de petites frappes. Bref, je vais te poser une question. À quel moment tu attends, j'étais à la radio. J'étais à la radio, j'ai avec le réveil Marama toujours. Faites comme vous l'avez fait. Mais faut tout le monde là, faut tout le monde. Je coupe la radio 5 minutes sur cette discussion. Je suis avec le réveil, moi. Vas-y. Oh, juste un truc, faites les choses bien. Faites pas n'importe quoi. Prenez pas des risques bêtes, commencez pas à perdre des armes. Mais non, s'il te plaît, on va voir. Cette discussion est beaucoup plus importante qu'un GoFast. Allez, donc compris. Du coup, tu disais. Bon, pour la quatrième ou cinquième fois, je vais te poser la question, d'accord. En espérant que ça aussi, ce soit la bonne. Je voulais te dire. Bon, à quel moment tu te dis que la zone t'appartient? Parce que j'ai envie de savoir un peu plus par rapport aux balas, là. Tu vois, parler des balas. Et les balas, ils ont abandonné Vainwood parce que financièrement et armement, ils ne pouvaient plus la défendre. Hmm? Du coup, ils sont plus en capacité de défendre la zone, ils la laissent, Hermano. C'est ce qui s'est passé, en tout cas. Tu l'as dit. Demain, tu as envie d'attaquer les Vagos, par exemple. Regarde, un petit exemple. Demain, tu vas au skatepark, là, Rockford, je sais pas quoi, là, où il y a les families qui vendent, d'accord? Tu vas là-bas, tu as envie de prendre la zone. Maintenant, ils te disent que la zone, elle nous intéresse pas. Que la zone, elle intéresse, qu'il faut pas te laisser. Tu vas leur tirer dessus. Ok. Et après? Après, c'est à eux de voir. C'est à eux de juger, hein. Si j'arrive, je les... Voilà, quoi. On va pas se mentir. Je les mets tous au sol. Et après, ils jugent que ben, c'est pas fini pour eux. Ben, tant pis, on continue la guerre. Jusqu'à ce qu'ils réalisent okay. Que des fois, vaut mieux laisser une zone que se battre dessus. Parce que des fois, les zones peuvent nous faire plus que ce qu'on va y gagner en les défendant. C'est sûr. Bon, moi, c'est pour ça. Je vais voir un peu comment tu réfléchis. C'est moi, ça me plaît. Quand j'ai récupéré Vainwood, il me restait la casse, Little Seoul et le cimetière. Je savais que. Ouais, tout à fait. Je savais que je pourrais pas défendre toutes ces zones en même temps et ça allait me servir à rien. C'est pour ça que quand j'ai récupéré un gros truc ou vendre, j'ai abandonné toutes les autres, sans guerre. Ouais. Des fois, il faut faire des concessions. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est pour ça, ouais, écoute. Là, je vais récupérer une zone. Comme ça, je vais faire vendre mes petits. Tu as entendu parler tout à l'heure, tu parlais de vendre de la mette. T'as vu, nous, ça nous dérange pas, nous, le business de la mette, hermano. Yeah. Ça te manque pas la cocaïne, tu veux me dire? Si, ça me manque, mais il y en a pas. Il faut bien que je vais manger là où il y a la replata. Ok, d'accord. C'est ta vision des choses. Moi, il y a la mienne. Tout à fait. Tu fais ce que tu veux, de toute façon, au final, ça revient à la même. Les Aztecas, ils ont une longue histoire avec la mette après tout. Si, moi, je te dis un truc. Si un jour tu entends parler de la cocaïne, informe-moi, même si c'est toi qui la contrôle. M'en bats les cojones. Jusqu'au moins que je sache qu'il y a de la cocaïne en ville. Tout à fait, ben, de même. Attends, le Madrazo, il m'appelle. Olé, olé, César. Et j'ai dit que t'as le rêve Aztecas en otage pour voir. Dis-moi. Tranquille et tout, désolé parce qu'il y a l'otage. Enfin, il y a le chef de CK son otage là, c'est pour ça. Eh, dites-moi la réaction d'Arcos. Arcos, il joue oh, I know cette pute. Barre-toi. Qui arrive, les gars. Écoute, c'est mieux que ça soit la rata. C'est les deux gannes avec je sais pas qui. Vous voulez taper là? Bah après, à la fin. Grâce à ces bons informés, je vais transmettre l'information. Non, mais en vrai, parce que là, je te demande pas qu'il soit pas avec eux. Regarde, c'est des spisos, des trucs comme ça. Faites-moi vite fait un rapport là. Ça se demanderai tout à l'heure qui était dans cette. Mais attendez, faites les cafards. N'allez pas au début. Allez à la fin, ramasse miettes. Qu'on fait. Mais il y a les marras qui raffolent aussi. Laissez les marras tirer. Allez à la fin. Venez, vous voyez le. Comment dire le pétrole là, juste à côté. Tes hommes sont en train de tirer déjà. Venez tous. Faites le tour. Il y a des personnes qui tirent ou je rêve là? Parce que j'ai entendu dans ma radio, tout le monde tire. C'est qui a tiré? Quelqu'un qui a tiré? Ils sont défendus. Non, mais je sais, mais pas contre nous. Bon, après, ça m'étonne pas. Il y a les Chinois, ils ont tiré, mais bon. Les Hermano, comme je vous ai dit, vous prenez pas de risques, on perd pas des armes bêtement. Vous pouvez prendre un truc, d'accord? Vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. Jendes? On est dans le monde de ciment, là.
Non mais Sonio, je suis là. Tu peux venir. Vas-y, je repasse dans 10 minutes. Non, tu peux venir me chercher au masque, par favor, j'ai une galère. Au masque ? Ouais, par favor. Vas-y, vas-y, vas-y. D'accord, de la playa. Restez là où je suis, hein. T'inquiète, on attend. Du coup, c'est. Tu vas où ? Par contre, il y a la barrière partout. Et du coup, j'ai pas dit qu'ils avaient tiré contre nous, mais. Ils m'ont, ce qu'on m'a dit. Ils m'ont dit, tout le monde tire. Ils m'ont dit, les Dogans sont venus. Mais, ouais, Dogans chinois, apparemment. Les Dogans, c'est quoi ? Comment ça se passe avec toi ? Là, j'ai rendez-vous avec eux, justement. Ok. On les a. On avait quoi déjà ? Ah, c'est ça, kidnappé. Ouais, kidnapper les Dogans. Bien sûr. Bon. On m'a payé 100 000 pour ça. C'est mort. C'est-à-dire là, on va se Et l'armano, ne prenez pas de risque. Voilà, et doucement dans la radio. Vous tapez à la fin. Sachant qu'il y a des Dogans, il bien sûr. S'il veut pas perdre toutes les armes, il se retrouve par terre et il y a des poules sur place, comme ça tu sais. Je sais, moi il ne faut rien pour moi. Moi ils attendent. Et y'a qui d'autre, l'armano? Je crois qu'il y a comment. Regarde, toi, si tu vois pas le poteau là de. Sur la conversation ici. Ouais, lui. Fais le tour du bloc, d'accord ? On peut pas. Escoute jamais. Les Hermano, prenez vraiment aucun risque. On sait pas ce qui a gagné. Ne perdez pas des embêtements. Il y a les balas derrière nous à gauche là. T'inquiète pas. C'est pour moi. Bonsoir. Oh là là. Je dois te laisser, Alvaro. Oh là là, Anas. Je dois te laisser, Alvaro. Eh, va faire ce qu'ils ont fait. Ah, Alvaro, ça va ou quoi ? Tranquille, ça raconte quoi ? Attends. Sueño et Alvaro ici, ou qu'est-ce que vous faites ? On avait des conversations. On est en date. Vas-y, Alvaro, c'est en courant ? Vas-y, à la prochaine. Vas-y. Ouais, c'est la guerre partout. Hein. C'est pas la voiture, la côte, elle est par balle ou pas ? Bien sûr, elle est par balle. Putain. Ah ouais, les flics. C'est une voiture, ça. C'était voiture, ça. Je crois bien. Attendez qu'on revienne, on a trois côtiers. Dis-leur, on arrive, finalement, la voiture. Ouais, mais. Moi je vous dis, faut PO la rata tout de suite. Oh, ça flingue. Mais attends, y'a quelqu'un autour de flics ou bien ? La rata, ils vont s'occuper des mecs au milieu là. Ah, regardez à gauche, toi, c'est à gauche, il se passe. T'es mettre à gauche, regarde à gauche, la guerre. On va rien faire aux otages, sont trop. Vous voulez qu'on la. Devant, avance. Attends, regarde. Pas trop. C'est vrai. Monsieur, s'il vous plaît. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Bah, on circule. On est des reporters en fait. Et descendez. Avant. Tirez pas. Barrez-vous. C'est un solo, recule. Barrez-vous, tirez pas. Mais la guerre, vous allez où ? Roule, Hermano, roule. Ouais, attends. Wesh. Ah, ils abusent là pour la guerre. C'est pas grave, allez, on se casse. C'est pas grave, on a tenté un truc, c'est pas grave, Hermano. Tout le monde est bien ? Ouais, j'ai pas de pneus. Yosemite, vous êtes à terre. Dans le bison, attendez. On a une place, primo. Ils abusent, ça y est. Mettez-vous dans des coffres, Hermano. Chacun a une coffre, dans mon coffre, Sancho. Excusez-moi, les collègues, vous avez des balles ? Une place dans mon coffre. Non, désolé, on est un peu occupé en vrai. Bah pour tirer, ferme le coffre, ferme la voiture. Jamais tu vas te faire allumer par 20 personnes de leur sang. Vous faites pas faire les. Non, Alexei, c'est pas quand t'es blessé par balle, t'es KO pour ta soirée, c'est quand t'es coma. Donc là, en vrai, ce que je vous propose là, parce que là, les Chinois, je les sens mal. Ils vont partir le solo. On y va, on s'impose. Et les forts. Mais gentiment avec eux, en mode. Vas-y, on va les aider. On y va maintenant. Là, tu veux les aider, en vrai, faut payer aux des flics. Là. Ouais, non. Les marins, ils fait. On arrive, on dit on vous aide. Non, c'est pas comme ça. T'es un baiser, toi, quoi. Ils sont sur un braquage. Si on n'a pas leur autorisation, on n'y va pas. C'est soit on les attaque eux, soit on les aide, mais il faut que l'autorisation, Hermano. Vas-y, j'appelle.
Mais en gros, le report de sortie, en vrai, ça va être nous, tu vois. Si jamais on paye aux des flics, on a comment ils s'échappent. Ils en ont déjà des flics, mon gars. Mais ils vont, les flics, tu sais comment ils vont dire. Ils vont dire, ouais, faut tous les relâcher, tout ça, blablabla. Et le coachier qui vient à fond sur nous. Oh, venez à la braque, si elle vient trop bien à la braque. Les femmes. Ah, ouais, attendez. Sortez pas d'armes, sortez pas d'armes, laissez-la l'approcher. Venez en part, ils vont venir. Vas-y, laisse-les. Mais non. Laisse-les, t'inquiète. Vas-y, venez, on s'approche. Et quand je vous dis go, on les braque. Non, ils ont. Sortez vos armes, braquez-les. Écoutez-moi, baissez vos armes. Allez, levez les mains. Tu vas mourir, reculez tous. Ok, on prend l'otage, on rejoint les mecs. Vas-y, prenez la guardia. Viens, monte avec nous. T'es fou, toi, de venir, toi. Vas-y, monte-moi. Vas-y, tu veux monter dans le Granger là? T'es quoi? T'es un négociateur? T'es quoi, toi? Mais va là-bas. Ouais, je suis un négociateur. Je suis venu en négociation. Vas-y, ben. Je suis pas venu en hostilité. Non, ne braque pas, c'est un négociateur. On est négocié après, on l'a rien. Je suis venu en négociateur, je suis pas venu pour vous tirer dessus. Non, ça va pas. Non, on fait rien. C'est un négociateur, on braque pas négociateur, Hermano. Qu'est-ce qu'il faut, négociateur? Du coup, c'est pas le coup. Escoute jamais, Armano. Oh. Du coup, Fair play avant tous les refs. Ouais, on a eu des agents pris en otage. Tout à fait, on sait. Ouais, je suis là, exactement. Je suis pas pris en otage. On est avec eux. Ok, je veux savoir, c'est pas vous qui avez pris des agents en otage, on est d'accord? Non. Ok, on va vous demander s'il vous plaît de circuler, d'accord? Juste d'aller un peu plus loin. Et nous, écoute jamais, moi je te fais un pacte. Tu me ramènes un speedo, on part. Comment ça, un speedo? Est-ce que vous avez des gens en otage? Tout à fait. On a personne. Si, on a des otages. Nous avons un véhicule, on a un véhicule. Là-bas, on veut le récupérer. C'est le speedo là-bas marron. C'est soit on récupère, soit ça part. Il y a une unité qui me ramène le speedo. Négociateur, pas négociateur, on s'en bat les couilles. Non, jamais de la vie. Avec ce qu'il y avait dedans. Avec notre cargaison. Je suis mort, c'est l'arrivée à récupérer. Et diaterma. Eh, baissez les armes. Nous visez pas, pour favor. Nous visez pas, sinon on va vous viser aussi. Là-bas, vous savez quoi? On va revenir vers vous, d'accord? Ça marche. On va aller négocier avec eux là-bas. Écoutez-moi, radio, s'il vous plaît. Les Chinois, je te tiens au courant si on fait un partage ou pas. À tout moment, ça change le truc. Du coup, s'ils nous préviennent pas avant de partir, dès qu'ils partent, on peut les taper. Et mettez les coachs en direction partir, pour favor. Et si ça passe, on récupère un speedo comme ça, des génies. Et préparez-vous. En fait, les frères, c'est pas fair play. On est là pour faire du fair play et prendre un négociateur qui est là pour négocier, c'est pas fair play. C'est pas fair play. Moi je suis pas quelqu'un qui... J'ai pas envie d'avoir de problème. Là, à ce moment-là, on sait qu'ils veulent nous remettre en verre et on les suit. Je vais poser de l'autre côté. Et je regarde dans les jumelles, soyez vifs. En gros, il m'a fait comprendre le chinois qui avait des trucs vraiment bien. T'es bon en négociation? Ah bah on essaye. Et moi, prendre un négociateur, j'ai pas envie d'être en convoque stand. C'est nul. Les mecs, c'est son travail de négocier. Tu m'as pas négocié? Ouais, mais Nixie, c'est pas grave. La manière était pas belle. Mais s'il me dit que c'est un négociateur, je le relâche. Parce que le but c'est de négocier, qu'il vient parler, c'est pour ça qu'il se... Qui prend tout? Les Chinois, ils prennent tout. Hé, l'Armano, mettez-vous à couvert au cas où ça tire. Un conducteur passe à côté. Comme ça on est prêt à partir au cas où c'est la merde. Moi je suis aux jumelles, je vous dis tout là. Dites-moi si ça arrive derrière, C'est simple. Hé, celui qui parle avec les Chinois, on pose nos couilles. Dis aux Chinois, c'est soit on a la moitié, soit on vous tape. Non, dis pas comme ça, dis-nous, donne-moi une réponse vite, parce que là, t'as vu, mes gars sont en train de s'énerver. Tu nous dis maintenant qu'on partage et on vous aide, et vous nous passez la moitié direct, ou soit on vous baisse vos mères. Un conducteur. Arrêtez de parler en radio, s'il vous plaît. Juste un truc, un conducteur dans sa coachée, comme ça on est prêt à partir, si vraiment la guardia nous fait un assaut. Tous les conducteurs là. Les conducteurs, par favor. Tout le monde écoute, les Chinois m'a dit on va s'en occuper tout seul, en mode il n'y a pas de partage. Ok, ben on va taper les Chinois. Là, objectif, taper un burrito. Objectif, regardez dans quel... Non, dans quel... Mais c'est pas grave dans lequel, c'est pas grave parce qu'on va attraper l'otage. Et à l'otage, là, il faut qu'on attrape un burrito. Et dès qu'on attrape... Mais en fait, le truc, c'est on va dire quoi? On va dire, donnez-nous la moitié, ils vont donner quoi? Un Beretta? Mais on sait pas ce qu'il y a dedans. On sait pas ce qu'il y a dedans et on verra. Mais on a un otage, on lui dit, soit tu me dis à quoi? Et voilà, c'est ça que je vous dis. C'est qu'en fait, si on a un otage, ok, ils vont nous dire, on va leur dire, ouais, bah on veut récupérer la moitié, mais on sait pas ce qu'il y a dedans. Ils vont nous donner.
dedans, on se sert. Baldo, c'est lequel qui a été chargé à ton avis? Baldo, c'est lequel qui a été chargé à ton avis? Baldo, t'as regardé. Celui de droite, il est déchargé. Mais en fait, ils ont tout déchargé. Ils ont gardé sur eux. Ouais, je pense que c'est tout sur eux. Non. Déchargeons celui qui a sur lui et on le tape. Ouais, c'est un raciste, force à lui. Les Chinois, ils ont deux Kuruma. Et ça bombarde dans cette merde. Oui, mais t'inquiète, je les mets tout à l'heure avec le Yosemite, mon gars. T'inquiète, la primo, en vrai, ça la rattrape, je pense. Vas-y, ils vont partir par la... De toute façon, ils vont partir par la route à droite. Ils vont repartir par le... Quelqu'un qui arrive derrière vous, hein. Ouais, j'ai vu, bien vu. Vas-y, montez, venons, démarre là. Vas-y. C'est pas là, reste ici, on sera juste en retard sur le convoi, venez. Vas-y, Baldo, mets-toi en route. Attends, les deux gars, ils ont trop de pertes. Écoutez, là ils vont partir en poursuite, on tape les Chinois et nique sa grand-mère la pute. Y a pas, on réfléchit pas, on fait ce qu'on sait faire, on les tape, et après, bah voilà, ils sont pas contents, ils sont bah pas ouais, contents. Parce que crois-moi, avant de nous voir, ils vont sécuriser tout ça. Bien sûr, et ils vont nous dire, après ils vont nous dire, ouais, on a fait pas 300, on avait que 100, du coup on vous donne 50. Tu vois, alors que là on tape, on voit ce qu'il y a, on prend tout. Bah, et là les hermanos, si vous tapez un burrito, il y a 300, les 300 vous les prenez. Ouais, c'est, là, c'est, là, là, c'est pas une transaction entre deux groupes. T'inquiète. Par la montagne, là où on guettait. Putain. Vous les avez, prenez à gauche, vous les avez. Il y a rien qui les suit. Ils sont là. Et tranquille, laissez-les partir. Tranquille, laissez-les. Vas-y, suivez. Ils sont où? La guardia derrière. Doucement maintenant, ne tapez personne, par favor, propre. Ouais, laissez, tranquille. Faut pas qu'on prenne la guardia, ouais, faut pas qu'on prenne le focus de la guardia sur nous, les gars. Mais quand vous voulez, on est loin, les hermanos. Hey, là. Mec, ouais, sécurise, là. Laisse-les, chut, parlez pas, roulez. Parlez pas, faut juste semer la guardia, en vrai. Ah ben non, on reste derrière eux, en mode on les sécurise, on les saigne, et on leur dit, vous donnez tout, sinon vous pèse vos mères. Non, voilà, en vrai, restez là, c'est mieux rêver. Venez, on bloque un peu la guardia, on ralentit la guardia. Non, sinon, on les aide et on prend la moitié après. Venez, on ralentit la guardia. Vas-y, ralentissez, mais faites une ligne droite. Non, il faut qu'il y en a qui les suivent, faut qu'il y en a qui continuent à les suivre. Dis-moi, la picador, suivez les picador ou rancheur. T'inquiète, les par la gauche. Ouais, vas-y, picador, passe devant nous, passe devant la première. Et c'est quoi à gauche? C'est des doganes. Ouais. Par contre, vas-y, accélère un peu. Ils passent dans des tunnels ou quoi? Ils passent pas des Google. Attention que les Dougans, ils essaient pas de nous péter notre plan. Il y a une coachée toute seule. Une coachée. Mais vous êtes y a les autres pas loin. Non, ils sont tous à l'hôpital, gros. Ils ont fait une fusillade tout à l'heure. Et faites attention à la conduite, par favor. Faites pas un accident, vous faites pas attraper gratuitement. Vas-y. Il y a toujours les lignes. Yodimi. Et en vrai, je passe devant. Faut pas qu'ils sécurisent, là, tellement. Qu'est-ce que je m'incruse dedans? Arrêtez-vous. Vous êtes Picador, je suis les autres devant, tout devant du convoi. Picador, reste avec eux. Oh, Picador, je suis. Ouais. Les autres, vous venez, Primo. Non, il y a déjà Yosemite qui suit, là. Picador, reste avec nous. Yosemite, il est devant, on suit. Voilà, bah parfait, bah bloquez avec nous, bloquez. On bloque la route, bloquez. Là, bloquez. Arrêtez-vous, bloquez. Doucement. Bloquez. Doucement, voilà, arrêtez-vous. Descendez pas, personne descend. On est Spanish là. Allez vous mettre directement en position, on arrive dans... Toujours l'hélico. Vas-y, avancez, c'est bon, avancez, n'abusons pas. Il y a l'hélico qui vous suit toujours, hein. Ah si. Maintenant les Aztecas, on va tous split, je crois. En gros, du coup là les gars, moi ce que je veux... C'est stressant, j'ai appelé les Chinois, je lui ai dit on a tous sécurisé la guardia et tout machin. Les Chinois, ils parlent sans vous. Oui, je leur ai dit, allez une position, tout de suite maintenant, vous déchargez pas, vous allez à une position. Allez maintenant. Scoutia, mais on a aidé. Chacun part de son côté maintenant, l'hermano. Escuchame, l'hermano, on va tous se rejoindre quelque part maintenant.
Maintenant, on a un objectif. Casino, tout le monde se rejoint casino. Maintenant, l'objectif, c'est de taper des Chinois. Même si on n'a pas la cargaison, on va leur mettre la misère. On va l'avoir. Hop là. Bloquez-la, l'avant arrière. Descends, 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 ça y est. Ça y est, ça y est, ça y est. Ça y est, nous faire tourner en bourrique pour... Ça y est, descendez. Ouais, d'accord. Dans la primo, dans la Glendale, des pistes. Allez, allez. Aïe. Fils de pute. Chef. Allez, allez. Tu verras, chef. Mets-moi, monte-moi. Vas-y, monte-moi. Non, monte, allez, dépêche-toi. Vous inquiétez pas, non, ça y est, ça y est. Allez, baise après, c'est bon. T'inquiète pas, lui, t'inquiète pas. Monte dans la Glendale, dépêche. Lui. Eh, téléphone. Téléphone radio. Attends, je fouille le coffre. Vas-y, suivez-moi. Recule avec le bison, sois vif. Vas-y, on suit. On sait jamais s'ils ont laissé la drogue dedans. Lui, il va prendre tiens. Donnez la place au bison, moi je vais jeter un coup d'œil. Bon, on en a deux maintenant.